Je me dis qu'à partir du moment où moi, je peux bénéficier de repas tous les jours, il n'y a pas de raison que ceux qui sont à la rue ne puissent pas en bénéficier. Voilà, c'est aussi bête que ça. Nous avons décidé de nourrir les gens qui en avaient besoin. Voilà ce que nous avons décidé. Ceux qui servent des repas chauds, j'ai envie de dire en tout cas à Chambéry, c'est nous. On sert des repas, le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, ce sont des repas chauds. Chaque nouveau bénéficiaire bénéficie de 10 repas gratuits. Ça lui laisse le temps de se poser, de faire connaissance, etc. Au-delà des 10 repas, on demande une participation financière d'1,20€ par journée repas, ou éventuellement d'un petit coup de main pour ceux qui n'ont aucun revenu. Alors ça peut être un coup de main à la vaisselle, ça peut être balayer la salle à manger, ça peut être nettoyer les tables, ça peut être une foultitude de petits services qui ne demandent pas grand-chose, mais qui permettent au moins l'échange, un repas contre quelque chose. Voilà des gens qui, avant, ne bénéficiaient de rien, qui tout d'un coup peuvent bénéficier au minimum, puisque dans un premier temps c'était que le midi, au minimum un repas chaud par jour. Ce qui était quand même pas rien. Ce qui me fait rêver, c'est qu'enfin les gens peuvent bénéficier de vrais repas. Alors que la plupart du temps aujourd'hui, ils se contentent d'avoir des denrées alimentaires. Quelque part, on a été un peu les pionniers dans la lutte pour nourrir les personnes en grande difficulté. La fréquentation de la cantine est exponentielle. Ça veut dire qu'elle ne cesse d'augmenter. Pour vous dire, en deux ou trois ans, on a augmenté de 40% notre effectif. Pour servir en 2017, 100 000 repas. Cette année, on pense qu'on va arriver à 140 000 repas. Alors, ce n'est pas des projections qu'on essaye d'atteindre, soyons bien clairs. On a pris en compte le manque de petits déjeuners sur Chambéry. Et depuis le 1er novembre, nous servons des petits déjeuners. Et au rythme où c'est parti, on pense qu'on va servir à peu près 40 000 petits déjeuners dans l'année. C'est un réel service. Mais il y a un réel soutien des politiques, qu'elles soient municipales, qu'elles soient départementales, qu'elles soient régionales ou nationales. Et ça, c'est un plus. Il faut savoir que je suis chrétien et que pour moi, ça fait vibrer un verset de la Bible, directement. Acte 20, 35, qui dit « Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et c'est très vrai, ça je peux le dire. Alors il y a peut-être aussi une part de mon passé, parce que je suis un ancien SDF, je suis un ancien alcoolique, j'ai connu la difficulté, je sais ce que ça veut dire. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir. Il me paraissait logique de donner de moi-même pour que d'autres puissent en sortir, tout simplement. Le décès ici à Chambéry de deux SDF morts de faim. Je précise bien de faim. Non pas de froid, et c'est en fait ces deux décès qui ont posé question et qui ont amené la réflexion à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se renouvelle pas, en tout cas à Chambéry. Si on reproduit la même chose, je vous laisse deviner combien de repas on sert par an. Uniquement dans les villes-préfectures, je précise, c'est un minimum de 10 millions de repas qui sont servis, repas chauds. Et que ça ne se fasse pas, moi je suis désolé, ça me met en colère. Je ne peux pas comprendre ça. Il y a moyen de le faire, on le sait. Pourquoi en France, personne ne se lance là-dedans? Je ne comprends pas. Et je ne peux pas comprendre. Tout ce qui est peu amélioré, j'ai envie de dire la vie du citoyen lambda et du citoyen en difficulté. Tout ce qui peut l'améliorer, moi je suis preneur. Quitte à ce que ça me coûte à moi, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave, moi j'ai bien assez, donc on peut partager. Il n'y a pas de souci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous l'ai dit, ça c'est ma devise, ça.